parlons de l'emploi dans les quartiers à travers l'animation des dynamiques emploi par le DSU de Brest. En quelques mots, c'est quoi le DSU ? Développement social urbain, c'est une mission de Brest Métropole qui anime et qui pilote le contrat de ville pour Brest Métropole, mais en lien étroit avec l'ensemble des signataires du contrat de ville. Mais c'est aussi un service qui agit dans les quartiers puisqu'il est porteur d'une vieille méthode de développement social local, développement social urbain, on appelle ça, et qui permet de mettre en mouvement un quartier avec l'ensemble de ses ressources. Quels sont les contextes et les enjeux repérés ? Nous, on pourrait dire que c'est les mêmes enjeux repérés sur l'ensemble de la métropole et des publics en recherche d'emploi, des publics fragilisés par la crise économique et sociale, renforcés d'ailleurs par la crise sanitaire qu'on est en train de vivre, qui ne sont pas les plus qualifiés sur ce qu'on appelle le marché de l'emploi, qui néanmoins ont des ressources, des habiletés, mais qui ne trouvent pas forcément en face une entreprise. Et de l'autre côté de la chaîne, on a des entreprises qui continuent, malgré la crise et malgré la courbe du chômage, à recruter dans des secteurs qu'on dit porteurs. Mais c'est comme si les deux mondes ne se rencontraient pas toujours, ou en tout cas pas aussi facilement qu'on pourrait le penser. Comment travaillez-vous l'animation de l'emploi et de l'insertion à l'échelle des quartiers ? Le développement social urbain a mis en place des commissions insertion à l'échelle des quartiers populaires, dans lesquelles on va retrouver les principaux acteurs des quartiers, prévention spécialisée, équipement de quartier. À Brest, on a la chance d'avoir une association spécifique de développement du pouvoir d'agir des habitants en recherche d'emploi, l'action ICEO. Et puis, on va retrouver aussi, évidemment, la mission locale, Pôle emploi, le plan local pour l'insertion et l'emploi, CitéLab, qui sera plutôt sur le champ de la création d'activités. Et depuis plus récemment, mais de façon très intéressante, les réseaux de l'économie sociale et solidaire. À la base, les commissions insertion visaient essentiellement à être dans du partage d'informations de partenaires qui n'avaient pas forcément vocation à se rencontrer ou à travailler ensemble. Ça continue dans cette dynamique de partage d'informations, de secteurs qui sont à rapprocher, parce que l'éducation populaire, de façon assez spontanée, n'irait pas forcément vers les grosses structures d'insertion par l'emploi. C'est une dynamique à développer, à maintenir. Et puis, de plus en plus, et en fonction de la régularité de ces commissions insertion, ça permet aussi de construire ce qu'on appelle, nous, de plus en plus, un écosystème insertion, emploi, économie sociale dans les quartiers. Et ça favorise même la création de projets sous forme coordonnée, concertée et multipartenariale. Quelles sont les actions conduites et avec qui ? À partir d'une commission insertion d'un quartier de Brest, il y a eu une action qui est toujours en cours, plutôt sur le volet accès aux droits, mais accès aux droits liés aux démarches de recherche d'emploi. Je pense à la consigne numérique, qui dans un cadre de dématérialisation des pratiques a semblé nécessaire à un certain nombre de partenaires pour que les personnes par ailleurs très éloignées du numérique puissent poursuivre leur recherche d'emploi et leur démarche d'accès aux droits. Donc, c'est un projet qui a été mené pour que les personnes puissent stocker un peu comme un grand classeur, mais sur le plan numérique. On peut avoir ça comme projet. Il y a toute une dynamique d'action de médiation vers l'emploi aussi qui est très forte depuis quelques années à Brest. Je pense notamment au café rencontre entre les habitants et les entreprises qui ont été initiés par ICEO, mais aussi par le plan local pour l'insertion et l'emploi, où là, on va retrouver 5 à 6 fois par an entre 80 et 100 participants qui vont aller à la rencontre d'entreprises qui recrutent ou qui ne recrutent pas encore. Et ça va favoriser à la fois un travail sur la représentation des métiers, mais aussi du côté entreprise, ça va casser des représentations que peuvent se faire des entreprises sur des personnes issues des quartiers populaires. Et puis, la commission insertion, ça a aussi permis
un projet qui est en cours pour sa deuxième édition, une coopérative territoriale de restauration. Au DSU, on avait été en soutien d'un projet de coopérative jeunesse de territoire dans les quartiers pour des jeunes. Dans un quartier, il nous a semblé intéressant d'aller sur le support de la restauration, puisque CitéLab, qui accompagnait de nombreuses personnes à la création d'activités, avait remarqué que de nombreux habitants des quartiers populaires voulaient créer un restaurant. Donc, à plusieurs partenaires, on s'est dit que peut-être ça valait le coup de transformer un essai qui avait été fait autour de l'accompagnement d'une personne, d'une habitante. On a un dispositif un peu plus pérenne, même s'il est éphémère, hein, mais de coopérative d'habitants, que les partenaires ont appelé un dispositif d'émancipation professionnelle, puisqu'il va participer à redonner du pouvoir d'agir à des habitants qui ont en commun un attrait, une envie de restauration. Parfait. Quels sont les retours sur le projet ? Cité à mettre un peu tout le monde autour de la table, habitants y compris d'ailleurs, pour partir des ressources du territoire, pour voir comment ensemble on peut imaginer des actions, des dispositifs. Sur un quartier, ça va être un certain nombre de partenaires. Sur celui d'à côté, ça va être plutôt une autre thématique qui sera travaillée. Cette capacité d'adaptation aussi, je pense. Par exemple, on s'est rendu compte avec nos commissions insertion qu'émergeait la question de l'insertion socio-professionnelle des migrants, qui était un champ sur lequel il nous semble que personne s'était encore positionné en fonction de coordination, en tout cas. Et voilà, je crois que le DSU, il va aussi dans des espaces en fait, qui ne sont pas occupés pour mettre un peu les choses en mouvement, quitte d'ailleurs à se mettre en retrait une fois que le mouvement, que la dynamique est prise. Avez-vous un ou deux conseils pour d'autres territoires qui souhaiteraient s'inspirer de l'action ? Alors moi, je pense qu'effectivement, pouvoir permettre un peu le renouvellement des actions, l'innovation sociale, ça fait complètement partie d'une culture de développement social urbain. Mais je dirais presque une logique de développement dans l'action publique. Je pense que c'est important aussi d'être en soutien aux initiatives, qu'elles soient citoyennes, associatives ou celles du monde de l'entreprise, parce qu'il me semble que si on se met à figer les choses, ça finit par fragiliser les territoires et ne plus répondre aux besoins sociaux. Donc, d'être en capacité, effectivement, d'expérimenter et puis de se donner le droit à l'erreur aussi, de ne pas attendre d'avoir une politique publique complètement construite, mais qu'à une petite échelle, celle d'un quartier est sans doute intéressante, on peut agir, fabriquer un écosystème, fabriquer du projet, puis participer à une forme de résilience aussi de l'économie, de l'emploi et du développement. Quelles sont les actualités du projet ? On va bientôt organiser en partenariat avec la mission locale une réunion d'information sur toutes les mesures en faveur de l'emploi des jeunes, mais aussi sur une nouvelle démarche de la mission locale en partenariat avec la prévention spécialisée et ICO, qui est sur le pouvoir d'agir des habitants en recherche d'emploi, pour aller vers les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation, pour pouvoir proposer, y compris une nouvelle offre d'accompagnement individuel et collectif, mais aussi une forme de chantier de mise en situation professionnelle permanent. Merci pour votre écoute et merci à Emmanuel Bénard. Retrouvez dans la description, sous la vidéo, toutes les informations sur le projet et le cycle numérique Emploi dans les quartiers. À bientôt !